Salut tout le monde, bienvenue dans Côté Comics, l'émission 100% comics et 20% humour. Et ouais, une émission à 120% donc, la classe. Au sommaire du jour, Julien nous fait les sorties du mois et va répondre à l'une de vos questions. Ensuite, reportage à l'exposition Marvel à Paris. Et on finit avec un tout sur les équipes de DC. Voilà, donc encore un bon programme et on va tout de suite rejoindre Julien pour les sorties du mois. Salut à tous, j'espère que ça va bien chez vous et que vous profitez un peu du soleil pour lire des comics. Ouais, ok, il n'y a pas de rapport entre les deux, mais on s'en fiche, pas besoin de raison pour lire des comics, n'est-ce pas? Alors pour cette émission, nous allons parcourir les sorties de première moitié du mois d'avril et je répondrai ensuite à une de vos questions. Ce mois d'avril sera bien sûr la suite des events Marvel du moment débuté le mois dernier. Infinity continue à impressionner avec son numéro 2 et ce n'est que le début puisqu'il y en aura 6, alors que le crossover des X-Men Battle of the Atom se termine déjà dans X-Men numéro 10, avec la deuxième partie de l'histoire, malheureusement un peu moins bonne que la première. L'auteur de Kick-Ass, Mark Millar, revient avec une nouvelle mini-série en 4 numéros intitulée Super Crooks et publiée chez Panini Comics. L'auteur anglais se lance cette fois dans la pure tradition des grands films de braquage. L'histoire est simple, puisque la densité des super-héros aux États-Unis est la plus importante du monde, un groupe de vilains, mené par Johnny Bolt, décide de s'expatrier en Espagne pour réaliser un gigantesque hold-up. De l'action, des rebondissements à rythme fou et à final explosif, pour un récit qui fera fortement penser à Ocean's Eleven et toutes ses suites, et que les fans du genre ne voudront pas rater. En plus de ça, on retrouve l'excellent Lenny Liu au dessin, une raison de plus de vous rendre en librairie le 9 avril. La grosse sortie attendue par tous pour ce mois d'avril, c'est le tome 1 de Batman No Man's Land. C'est une des plus grandes sagas du Chevalier Noir, mais surtout, elle est encore inédite en France jusqu'à aujourd'hui. Suite à Cataclysme, sorti au mois de mars, Gotham City a été touché par un tremblement de terre qui a détruit une bonne partie de la ville et a semé la panique. Mais le pire est encore à venir, puisque Gotham se retrouve désormais abandonné par le gouvernement américain et isolé du reste du monde. Batman est de retour et va tenter de remettre les choses en ordre dans une ville maintenant divisée en territoires, dirigée par tous ses pires ennemis. Une saga moderne incontournable pour tous les fans de Batman, mais que l'on conseille aussi fortement aux autres. Il y a forcément des disparités de qualité entre les différents numéros et les différents arcs, mais dans l'ensemble, ça vaut quand même vraiment le coup. Sortie prévue le 11 avril. Justice League Saga 6 voit ce mois-ci le début du premier gros crossover DC depuis le début des New 52, à savoir Trinity War. L'histoire se déroule sur les trois séries Justice League, Justice League of America et Justice League Dark, et est pilotée par les deux scénaristes, Geoff Jones et Jeff Lemire. Alors que Shazam interviewe Kandak, un affrontement éclate entre la Justice League et la JLA, et va très mal tourner, provoquant le chaos au sein des différentes équipes. Mais il se pourrait bien qu'un mystérieux ennemi manipule tout ce beau monde dans l'ombre. Ce magazine contient les trois premiers numéros du crossover qui en comptera 6 et qui, s'il n'est pas totalement homogène dans l'ensemble, reste tout de même de qualité et est important pour le lancement de l'event à venir, Forever Evil. Vous retrouverez aussi bien sûr les suites des séries Flash et Green Arrow, sorties là aussi prévues le 11 avril. Du changement pour le magazine Uncanny Avengers qui reprend au numéro 1, mais sans changer de sommaire. Ou presque. Vous retrouverez toujours les séries Uncanny Avengers, Avengers Arena et A plus X, mais en plus, une nouvelle série débarque, des couleurs d'Infinity, Mighty Avengers. Luke Cage forme malgré lui une nouvelle équipe pour contrer l'attaque de Thanos et de ses lieutenants contre la Terre. Une série signée Al Ewing et Greg Land, sortie le 15 avril. En bref, dans les suites des séries déjà en cours, vous retrouverez en avril le tome 2 de la série Star Wars de Brian Wood, le troisième tome déjà de l'excellente série Saga de Brian Cavon et Fiona Staples, le tome 2 de la série de Valiant Bloodshot, et un nouveau tome pour The Goon, la série délirante d'Eric Powell, qui sera déjà le 11e. On passe tout de suite à l'une de vos questions. Alors, question de Julia H. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'Intergang ? Mais bien sûr, avec plaisir. L'Intergang est donc une organisation criminelle de l'univers de DC Comics, que l'on voit surtout opposée à Superman et ses alliés, puisque leurs opérations sont basées dans la ville de Metropolis. Elle a été créée par Jack Kirby en 1970, dans le numéro 133 de la série Superman's Pal Jimmy Olsen. L'Intergang a eu différents leaders selon les versions et surtout les périodes, mais avec tout de même deux personnalités majeures qui sortent du lot. Le premier leader du groupe, qui restera sûrement le plus connu, est Bruno Mannheim. Morgan Edge a aussi joué un rôle important, ce capitaliste grand Manitou des médias a à un moment contrôlé le crime organisé à Metropolis avant d'être renversé par Clark Kent et Cat Grant. On peut aussi citer des leaders temporaires, tels que Boss, Moxie ou encore Lex Luthor. Mais tous ces criminels à la tête de l'Intergang se révèlent finalement n'être que des pions au service de la planète Apocalypse et de son tyran Darkseid.
Ce sont eux qui dirigent les opérations et fournissent l'organisation criminelle avec leurs technologies avancées, notamment au niveau artillerie. Leur intérêt là-dedans est multiple. Tout d'abord, Darkseid se sert de la Targon pour attaquer ses ennemis à distance. Il l'utilise aussi pour rechercher la fameuse équation d'antivie ou, d'une manière plus globale, pour faire souffrir les habitants de la Terre. Pauvre de nous. L'une des récentes séries mettant le plus en avant la Targon est Infinite Crisis 52. Dans cette série hebdomadaire de 2006, l'organisation s'attaque à la ville de Gotham City et se frotte notamment à René Montoya, La Question et Batwoman. Bruno Mannheim reviendra notamment en tant que cannibale, suivant le texte sacré de la Bible du crime. Enfin, la Targon est apparue régulièrement à la télévision, dans les séries Lois et Clark et Smallville, mais aussi en tant que série animée dans Superman, Justice League et Young Justice. Voilà pour la Targon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous voyez, on y répond sympathiquement, tout se passe bien. Donc envoyez vos questions à cette adresse, c'est un ordre. Ouais. Et ben voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous dis à très bientôt et puis soyez bien. Voilà. Ciao. Les œuvres qu'on voit ici, les concept design de gens comme Ryan Meyerding, par exemple, qui ont dessiné, qui ont passé, quand il a fait le premier Captain America pour le cinéma, il a passé 2 ans à redessiner le Captain America pour à la fois qu'on le reconnaisse au cinéma tout de suite, quand c'est Captain America ou Iron Man, on reconnaît tout de suite ces personnages issus des bandes dessinées, et pourtant ils ont tout redessiné pour que ce soit crédible à l'écran. C'est-à-dire que dès qu'Iron Man arrive à l'écran, on y croit. Et la réussite et le talent d'artiste comme ça, c'est justement de faire vivre le héros, de lui donner sa crédibilité, de l'interpréter en conservant l'impact d'origine, le super pouvoir que des gens comme Kirby lui ont conféré, et de le faire vivre à l'écran avec une vraie crédibilité. I think each one of the characters has a unique set of difficulties. Some of them are just inherently a little bit more difficult. Captain America is hard just because there are a lot of parts of it that don't necessarily fit on sort of regular clothes. So we're always trying to find, you know, new ways that we can make those, like the stars and stripes, work in the context of the movie. You're always kind of scared before, you know, you see the final thing, and you don't necessarily know what it's gonna turn out to be. The first time that I worked on a character design for Marvel was the Iron Man Mark I, the suit that he builds in the cave. And the first time I saw that on screen, surprise wasn't the word. I think I was elated because I was so worried that he was gonna be too bulky or that he would come off as a little bit goofy. But the way that it was created and the way that it was built and the way that it was shot in the movie, everyone cheered, you know, when he busted out, and it was really an exciting moment for me. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on n'a pas vraiment évoqué jusque-là, à savoir le principe des équipes. Une chance sur deux, pour cette émission, je vais parler de celle de DC. On commence avec l'équipe principale, à savoir la Justice League d'Amérique, ou JLA, créée en 1960. Le but de cette équipe est simple, c'est rassembler tous les super-héros les plus puissants pour contrer les menaces les plus dangereuses, c'est-à-dire alliance de super-vilains, attaque de grande envergure ou encore invasion extraterrestre. Le groupe se forme la plupart du temps autour de la trinité de DC Comics, à savoir Batman, Superman et Wonder Woman. Bon, ces trois-là, c'est déjà pas mal, mais il y a d'autres super-héros pour les soutenir. La plupart du temps, il y a un Flash, un Green Lantern et encore quelques membres comme Martian Manhunter, Aquaman ou encore Green Arrow qui sont les plus récurrents. A noter que dans la configuration actuelle, il y a le super-héros Cyborg qui a rejoint l'équipe. Un changement assez important pour le personnage qui jusque-là était destiné à faire partie des Teen Titans. Niveau lecture, vous avez Justice League aux origines, qui n'est pas exceptionnel mais qui a l'avantage pour les néophytes de raconter les débuts de l'équipe. Ah, Justice League Origins, les débuts, ok. Et sinon, vous avez également Justice League, la Tour de Babel, qui est par contre, lui, de grande qualité. Je ne vous raconte pas, je me contente de vous montrer cette magnifique cover, voilà, avec Batman au-dessus, qui est, on dit déjà pas mal. Les deux sont chez Urban Comics. Équipe suivante, il s'agit de la Société Justice d'Amérique, ou encore JSA, qui a été créée en 1940. Cette équipe, en gros, est la réponse à la crise des années 60 qui a mis en place le principe des terres parallèles. Les anciens super-héros, c'est-à-dire les premières versions, ont été présentés comme appartenant à la Terre 2, tandis que nous sommes sur la Terre 1, la classe. Ce groupe de personnages, nous pouvons être appelés également JLA, a donc été appelé JSA. Son but est de préparer, d'entraîner les plus jeunes.
L'équipe est donc un mix de seniors et de jeunes. Ses membres les plus connus restent sans doute le Flash Jay Garrick, Power Girl, Alan Scott, Dr. Fate, Iron Man, Sandman, Hawkman et Wildcat, même si à nouveau, il y en a beaucoup d'autres. Pour ce qui est des conseils de lecture, prenez tout ce qu'a écrit Geoff Johns. Écoutez, il n'y a pas plus simple et surtout, il n'y a pas mieux. Dernière équipe pour moi, les Teen Titans, aussi appelés les New Teen Titans ou les New Titans, ou les adolescents qui tapent sur du méchant. Vous l'aurez compris, cette équipe est intégralement composée d'adolescents. Ils sont d'ailleurs le plus souvent les sous-fifres. Oh non, c'est pas gentil, sous-fifres. Ils sont le plus souvent les bras droits des super-héros de la Justice League. On a donc pu voir Robin, Superboy, Kid Flash, Wonder Girl, Aqualad, Red Arrow pour les plus connus, mais également d'autres comme Nightwing, Cyborg, Starfire ou Raven. Si vous voulez lire du Teen Titan, tout ce qui a été fait depuis 2003 est en général plutôt pas mal, notamment tout ce qui tourne autour d'Infinite Crisis. A noter qu'il y a toujours une série en cours, Teen Titan, avec une nouvelle formation depuis 2011, soit le reboot de DC. Voilà pour les équipes principales de DC Comics. Bien sûr, pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'il y en a beaucoup d'autres, beaucoup beaucoup d'autres, comme la Young Justice, les Outsiders, les Ultramarines, la Justice d'Europe. Et voilà, c'est déjà tout pour cette émission, j'espère que vous avez appris plein de choses, et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à nous vous envoyer vos questions ou à nous ajouter sur Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à tout bientôt. Des bisous, ciao ciao !